Bonjour, c'est Léa pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment égrainer une grenade. Ce fruit qui vient d'Asie et qui explose en bouche se consomme en jus, dans les céréales, en yaourt, dans les salades. Il est plein d'antioxydants, plein de vitamines, plein d'anticancers. Il prévient même de la crise cardiaque. Malheureusement, il est assez embêtant à préparer car c'est plein de petites graines qui se mélangent avec la membrane du fruit. C'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, je vous donne une astuce pour le préparer en 2 minutes chrono. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un couteau et d'une cuillère en bois. On commence par couper la peau de la grenade sans trop s'enfoncer. Il faut juste sentir qu'on a découpé la membrane extérieure. Ensuite, on ouvre le fruit en deux. Et dans le saladier, on va juste le tenir à l'envers et taper fermement avec la cuillère en bois. Vous allez voir, ils vont tomber tout seuls. Savez-vous que la grenade est un fruit non climactérique? Ça veut dire qu'une fois cueilli, il ne mûrit plus. La grenade est un fruit qu'on peut conserver pendant longtemps sur une étagère, au moins 2 mois. Vous pouvez la consommer, elle sera toujours fraîche. Les marins en consommaient beaucoup pendant leur périple, effectivement, ça leur permettait d'avoir des fruits frais pendant plus de 2 mois. Et voilà, toutes les petites graines sont tombées. Il ne reste plus qu'à récupérer les petits bouts de membrane qui sont éventuellement tombés avec. Bon alors, vous voyez, ça peut être un peu salissant. Il vaut mieux penser à se protéger avec un tablier. Là, heureusement, j'étais habillée en noir. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.